Chaque année, le mois d'avril coïncide avec la Semaine de l'action bénévole. Des activités sont donc organisées pour souligner l'importance de tous ceux et celles qui donnent généreusement de leur temps. La Semaine de l'action bénévole, c'est sûr, c'est un mouvement aussi qui est national. Il y a les centres d'action bénévole, mais il y a tellement de bénévolat qui se fait dans notre société que c'est l'occasion de reconnaître ce mouvement-là et la part que donnent les bénévoles dans notre société. Alors, c'est un beau mouvement, je trouve, pendant une semaine de temps qu'on peut souligner, soit par les médias, soit par de la reconnaissance des activités qu'on peut faire aussi, comme pour nous. On va aller à la cabane à sucre. Cette année, pour une fois, on va faire une activité depuis 2 ans. Cette année, la thématique de cette importante semaine, qui se tiendra du 24 au 30 avril prochain, est « Bénévoler change la vie ». Ça change la vie de la personne que tu peux aider, mais ça peut changer aussi la tienne en tant que bénévole. C'est valorisant pour les gens, ça leur apporte beaucoup. Et puis, quand on dit faire le don à quelqu'un d'un geste qu'on donne auprès d'un geste bénévole, mais on fait aussi un don à soi-même. Et c'est sûr qu'en faisant un don à soi-même, bien, c'est aussi un bien-être qu'on se procure. Je crois, en tout cas profondément, que juste l'accueil bienveillant permet à beaucoup de personnes de réduire leur anxiété et d'être en mesure de sentir qu'enfin ils sont reconnus comme une personne humaine, comme une personne qui a le droit d'avoir aussi des faiblesses, des forces, mais aussi de développer finalement des relations avec les autres et d'être capable de mieux vivre leurs situations qui peuvent causer problème. Roger Nicole s'implique bénévolement depuis plusieurs années déjà. Il est convaincu que le bénévolat apporte autant aux gens dans le besoin qu'à ceux qui offrent de leur temps. Et je vous le dis, le bénévolat, c'est bon pour la communauté, mais c'est aussi bon pour soi. Okay? Parce que, je veux dire, dans le fond, on en retire beaucoup. Donc, quand on parle de développement de notre propre personne, donc ça nous ouvre les yeux, ça nous permet de découvrir les gens, de les découvrir avec de nouveaux yeux, hein, dans le fond un nouveau regard qui est bienveillant, qui permet aussi de comprendre plus la complexité des problèmes qui existent dans la société. Je veux dire, puis dans le fond, on combat nos préjugés tranquillement à travers ça. Donc, c'est très épanouissant, faire du bénévolat. De son côté, Claire Melançon relate tout le bien qu'offre le bénévolat. Lorsque les gens viennent, on va donner l'exemple de la clinique d'impôt, parce que c'est ici que nous sommes aujourd'hui. Les bénévoles vont tous vous le dire, les gens, ils sont reconnaissants, ils remercient. Il y en a même qui font une petite contribution financière, tellement qu'ils sont contents que ce service-là existe. S'il n'existait pas, plusieurs personnes seraient démunies face à leur déclaration de revenus. Roger Nicole a un conseil à donner à ceux qui seraient tentés de faire du bénévolat. Faites le saut. Allez voir, allez explorer auprès des organismes qui existent dans la communauté pour voir si le travail bénévole ou le travail de bénévolat qui est offert peuvent convenir, je veux dire, à leurs compétences ou à leurs souhaits. Il y a 2 éléments. Le premier, ils peuvent téléphoner chez nous. On va faire une rencontre d'information pour expliquer qui nous sommes, tous les services qu'on offre. Et on a aussi sur le site Internet capvalleyfield.com, dans la section bénévolat, il y a un onglet qui s'appelle « Les offres de bénévolat dans la communauté ». Et plusieurs organismes du territoire ont mis leurs offres de bénévolat sur notre site Internet. Ça permet aux gens aussi de magasiner, entre guillemets, en fonction de leurs intérêts puis de leur aptitude. Enfin, le bénévolat prend une place importante dans la communauté. Les statistiques de Claire Melançon en témoignent. Alors, le Centre d'action bénévole, présentement, c'est environ 285 bénévoles qui sont déployés, comme je vous disais, dans une vingtaine de services. Puis dans les services, il y a 850 personnes qui reçoivent des services, je parle d'adultes, d'aînés. C'est aussi 200 proches aidants qui reçoivent du soutien et de la formation pour être capable d'être outillé pour passer au travers de leur vécu. On a 2 intervenantes au centre pour eux. En plus des 200 proches aidants, des 850 bénéficiaires aînés, des 285 bénévoles, c'est environ 1400 personnes qui font faire leur déclaration de revenus à la clinique d'impôt et 115 élèves de l'école primaire
pour la correspondance et le tutorat scolaire. À ça s'ajoutent tous les services d'administration. On parle du conseil d'administration, de gouvernance, mais on parle aussi d'autofinancement, que ce soit la fabrication de tourtières ou le télébingo, qui est quand même notre grande activité d'autofinancement avec la vente des tourtières. Et là aussi, il y a toute une autre équipe de bénévoles qui supporte le financement.